Donc, bonjour Dominique. Je vais vous donner cinq signes qui montrent que vous avez une grande mission sur la Terre. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés, vous ne savez même pas. Vous avez des dons, vous ne savez même pas. Vous êtes combattu depuis. En fait, vous êtes là comme ça. Je vais vous donner cinq signes. Et la liste n'est pas. On peut l'étendre. Vous vous posez constamment des questions sur votre vie, genre, pourquoi je suis venue sur la terre? Pourquoi? Donc, le premier signe qui va vous montrer que vous avez une grande mission sur la terre, c'est que vous allez rêver, vous allez vous voir toujours avec des présidents, des personnalités. Ça peut être Etofis, ça peut être Emma Loès, ça peut être... C'est parce que ton énergie dans la base, si jamais tu n'avais pas tous les blocages et les ralentissements que tu as, tu serais dans la même salle que ces personnes, tu serais dans la même vibration que ces personnes. Bonjour Tambo, roi Tambo. Si tu es une femme, tu me dis. Okay. Ton énergie, ça fait comme si tu prends un sac Louis Vuitton que tu as acheté à 700 euros. Tu vas le mettre dans un magasin où on vend le sac à 20 euros. Le sac, c'est en lui. Quand le sac va dormir la nuit, il va se voir avec les Chanel. C'est vrai que mon analogie est complètement bidon et bon. Donc, bonjour et bienvenue. Dans ses rêves, le sac va se voir en train de faire les défilés de Louis Vuitton. Il va se réveiller dans la journée, il va regarder. Made in Turkey. Made in China. Il va sentir que il y a quelque chose ici là. Donc bonjour, si vous venez d'arriver, bienvenue. Je vous donne cinq signes qui vous montrent que vous avez une grande destinée, une grande mission. Numéro 1, vous rêvez sans cesse, vous voyez avec les personnalités. Parce que dans votre vibration, dans votre aura, vous avez la même aura que ces personnes. Vous êtes censé devenir même leurs amis. Tu peux me faire les rêves où tu te vois, tu es dans la voiture avec Beyoncé. Tu sens que non, Beyoncé c'est ma copine dans le rêve, c'est jusqu'à... Genre je vais rentrer à la maison, je vais l'appeler, je dis « Hey B, how are you ?» Tu vois un peu. Premier signe, tu rêves constamment, tu te vois avec les personnalités, les grandes personnalités de ce monde. Ça, c'est le premier signe que tu seras, que tu as une grande mission sur la terre. Notez, parce qu'après, vous allez me redonner tout ça. Numéro 2, deuxième signe. Le numéro 1, c'était quoi? Notez cela. Numéro 2, tu passes tout ton temps à contempler, regarder les grandes voitures,
de grandes maisons. Quand tu vois quelqu'un passe à la télé, tu dis, ah, ma copine là, ah oui, non. Quand moi j'aurai la voiture, j'aurai. Donc, tu sais que la maison où tu es, l'environnement où tu es actuellement, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta destination finale. Et les gens traitent même ça d'arrogance. Donc, en numéro 2, tu parles de toi toujours comme si tu étais très riche. Quand Kossi a chanté, quand j'aurai l'argent, c'est comme ça que toi tu parles toujours. Quand j'aurai l'argent, c'est comme ça que toi tu fais tout le temps. Même si tu n'as pas les dons maintenant, hein, tu es toujours dans les quand j'aurai l'argent. On te dit, mon frère, là-bas, regarde, tu n'as rien pour actuellement. Comment tu parles de quand j'aurai l'argent? Tu n'as pas l'argent, tu ne vois pas que tu n'as pas l'argent. En fait, c'est comme si tu es, c'est comme si on t'a aveuglé. Tu es toujours dans les quand j'aurai l'argent. Et quand tu étais petit, tu avais cette très grande capacité. Tout le temps, tu parlais de toi, ta grand-mère disait, ouais, l'enfance, là, tu exagères. Regarde comment nous, on est pauvres ici, là. Tu dis que tu vas, ma grand-mère va t'acheter la voiture quand elle est grandie. Et que tu connais que depuis 4 générations, dans notre famille, on n'a pas la voiture. En fait, tes rêves étaient trop grands. Une femme est venue nous rejoindre en consultation. Elle me dit qu'à 7 ans, son fils lui donnait un moyen comment elle peut se faire de l'argent. Il lui dit, maman, tu vois que tu peux acheter les bananes au marché. Tu les samuries. Tu fais les beignets bananes, tu peux les déposer chez le boutiquier. C'est l'enfant de 7 ans qui dit à sa mère. Tu peux les déposer chez le boutiquier. Tu vas vendre chaque jour, tu auras l'argent. Donc c'est ce genre d'enfant-là qui est, ne vous en faites pas. Il a une grande mission. Donc je viens de vous donner 5 signes qui montre que vous avez une grande destinée. Premier signe, c'était quoi? Tu rêves, tu te vois toujours avec des personnalités. Les gens qui sont sous le red carpet, tu te vois même avec Kabila dans tes rêves. Tu te vois dans le rêve. Tan, 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 tan. Je dis, mais qu'est-ce que je fais avec Kabila dans mon rêve? Ta vibration, tu sais, tu sens que tu n'es pas fait pour être pauvre. Bonjour, si vous venez d'arriver, je vous demande de me donner un pouce comme ça bien sûr. Et de partager ma vidéo. Je vous fais l'honneur que la vidéo, j'ai mis une vidéo ce matin sur YouTube. Donc allez regarder, parce que ce que je mets sur Facebook et YouTube, c'est pas la même chose. Allez d'abord regarder la vidéo là. Donc, numéro 3, pour savoir que tu as une grande destinée. Numéro 3. Tu es très attaqué. Tu es très attaqué. Donc, certains d'entre vous avez mené une vie de combat jusqu'à donc tu es même fatigué. Il y a les jours où tu te rends ça, tu es fatigué. You don't tired. You don't tired. Tu es fatigué de te battre. Beaucoup d'adversité. Vous devez comprendre qu'ils n'attaquent que les gens qui ont une grande destinée. Je sais que pour toi, c'est un peu. Est-ce que vous savez que dans ma vie, moi, j'ai grandi de façon tellement ordinaire. Mon père m'a eu avant le mariage. Et après qu'il se soit marié, je me suis retrouvée comme si c'était un enfant qu'il avait eu dans le mariage en trompant sa femme. Genre, c'est la sensation que j'avais tout le temps. C'est du haut de mes 34 ans que mon père me présente publiquement à ses amis. Il est fier, genre, voilà ma fille, hein, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille. Mais moi, j'ai grandi toujours en me disant, bonjour, bonjour, petit oiseau, grand oiseau, bonjour, tu veux parler dans ma vidéo? Donc, moi, j'ai grandi en, voilà, la petite fille qui devait se serrer avec ses, avec ce, oh, la reine, la reine, ça c'est bien que tu sois sorti de l'hôpital. Je bénis le Seigneur pour ta vie. J'ai aussi reçu ton action de grâce. Oui. Tu vas inaugurer ton magasin, ne te dérange pas. Les clients vont entrer jusqu'à. Donc, en grandissant, j'avais toujours ce sentiment de. Une fille comme moi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi?
Regarde-moi. Je suis moi. Et en grandissant, j'avais les lunettes. Je portais les lunettes. J'étais timide. Je ne suis pas aussi jolie que maintenant. Donc, j'avais ce complexe en moi. Je savais que si Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il ne peut pas me choisir. Ça ne peut pas d'abord être moi. Avec moi. Et moi. Ah, moi, c'est là. Non. Puisqu'il me prend comme reine. Reine. Ah, mais n'est pas ces Jocelyne-là. Mettez celle-là sur le lit là-bas. Dormez entre vous là-bas. On vous met sur un lit. Cinq enfants dans la maison de la grand-mère. Tu as l'opportunité de voir ton père une fois tous les 3 semaines. Il vient pour le week-end comme ça là. Il arrive, au milieu de tes cousins, tu dois te pousser pour dire bonjour papa. Je ne l'appelais même pas papa, je l'appelais tonton. Donc, j'ai grandi en sachant que je n'étais pas spéciale. Non. Et si tu observes bien ta vie, tu vas voir que il y a tellement de choses qui ne sont pas conventionnelles dans ta vie. Tu as eu l'enfant tôt. Moi, j'ai accouché très tôt. Tu as commencé l'école, papa. Tu n'as pas fini. Moi, en fait, je vous ai déjà raconté mon histoire sur la page, il y a mon histoire déjà. Donc, j'ai en quelque sorte désobéi très tôt. J'ai suivi l'homme. Et dès que j'ai commencé à vivre avec lui, on a eu l'enfant. Et ça fait que mon père a dit, bon, comme tu as choisi l'homme. Ce qui fait que quand j'observais ma vie vers les 25, 27 ans, je voyais que les échecs, 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 échecs. Je suis arrivé en Europe 6 ans sans papier. Blocage, échec. Donc, et c'est comme si tout ce que je commençais ne marchait. Donc, tous les business qui mettaient ma main pour faire. Donc, vous allez voir que quand vous avez une grande destinée, vous allez avoir beaucoup de blocages. Tu te maries même au haut, le mari, après 2 semaines de mariage, il part. Ou il te chasse. Je ne sais même pas quoi je peux vous dire. Tu as fait 5 fausses couches. L'enfant ne vient jamais. Donc, il y a des. Tu as un degré d'adversité là que tu ne comprends pas. On te classifie même. Ah, la fille là, elle va finir vieille fille sans se marier un jour. Elle là, pardon. Qu'est-ce qui peut sortir de bon sur la fille là, pardon. Elle croit que ça a 50 ans qu'elle va faire quoi? C'est de ça. C'est dit que c'est toi là. Mon plus grand travail, ça a été de croire que moi, Jocelyne, je suis la reine des reines. Vous savez ce que c'est? C'est un peu comme si tu deviens amnésique. Qu'au départ, tu étais vraiment une reine. Hein? Tu perds la mémoire. Tu arrives dans les taudis de ton pays, tu restes. Tu commences à chercher un petit travail. Tu travailles comme ménagère quelque part. Alors que c'est toi la reine du pays là. Un jour ta mémoire commence un peu à venir. Quelqu'un te voit un jour, il dit waouh. Bonjour ma reine. Alors que tu as encore la brosse pour brosser les chaussures de ta patronne en main. Ou bien le balai dans ta main. Tu dis, je suis reine et regarde, tu m'appelles reine pourquoi? Bonjour, hein. Donnez-moi les cœurs, ça va booster ma vidéo. Vous avez suivi. Ne venez pas vous connecter ici les matins. Vous regardez ma vidéo comme ça. Vous ne faites pas de cœur sur ça. C'est pour ça que vous avez vu, je bascule beaucoup sur YouTube maintenant. Parce que Facebook. Facebook, c'est une autre histoire. On dit comme ça. Non, merci pour les cœurs. Et là, on fait que t'appeler marraine, marraine. Tu dis ah. Et puis un jour dans la nuit, tu dors, tu rêves. Tu te vois avec un habit sur toi, un diamant. Tu vois comment tu marches dans la gloire. Tu marches avec les stars. Tu te réveilles, tu te dis, tchè. Il faut que je réfléchisse encore bien sur l'affaire. Peut-être que réellement, réellement, dans la réalité, dans la vraie, vraie, vraie vérité de la réalité,
que je suis vraiment René. Ah, on t'appelle Jocelyne. Jocelyne. Allez, viens nettoyer mon sol. Il dit, oh oh. Peut-être que je ne suis même pas une reine là, vraiment. Donc, combat. Donc, j'ai dit le troisième signe, pour que tu saches que tu as une grande destinée, c'est que tu es très combattu. Très combattu. Pour rien que les gens te détestent. Tu as commencé tellement de choses, ça a échoué. Et c'est plus tard, c'est maintenant que tu écoutes mes vidéos que tu comprends que tous les échecs que tu as eu, c'était des attaques. Tu te maries à 22 ans. 23 ans, tu es en train de divorcer. Tu arrives en Europe, la première de votre famille, à 19 ans. À 35 ans, tu n'as pas encore les papiers. Attaque spirituelle. Tu arrives quelque part, les gens viennent te trouver là-bas, ils avancent, ils partent, ils font les choses, ils finissent même, ils rentrent, ils te laissent encore là-bas. Les gens te trouvent en Europe. Ils arrivent, on reconnaît leur enfant, ils se marient, ils obtiennent leur papier, ils font la nationalité, ils commencent à travailler, ils finissent même la formation, ils trouvent le boulot, tu es encore là. Tu es fatigué des combats. Merci pour le cœur, merci. Ce que je vous dis cela, hein, je suis là pour libérer. Je veux vous libérer aujourd'hui. Même dans ton subconscient, même dans ton sommeil, toute personne qui vient te dérober souvent, je commande que tes richesses te soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Tout ça qu'on t'a volé dans le rêve, je déclare la restauration de ce sac avec tout ce que ça contenait. Tout héritage, parce qu'il y en a parmi vous, êtes successeur, on a volé votre succession. Toute succession qu'on vous a volée, je commande maintenant que vos anges, ils aient trouvé qui que ce soit qui est assis sur votre chaise, que ce pouvoir vous soit donné à l'instant au nom de Jésus-Christ. Je viens aussi contre les influences, je vois beaucoup de lourdeur sur vous. La lourdeur, toutes les attaques, toute la paresse qu'on a mis sur vous, l'endormissement qu'on a mis sur vous, je vous sors de là au nom de Jésus-Christ. Quand il vous parle d'adversité, il y a les gens dans votre famille qui ont juré que vous n'allez pas avant. Donc, tant que tu es en vie, elle va te combattre. Elle a son budget mensuel. Ça, là, c'est pour travailler contre Jocelyne. Budget mensuel du marabout pour toi. Oui, papa. Je vois qu'elle a acheté une nouvelle chaussure. Tu vois son profil WhatsApp, là. Oui, oui, il y a beaucoup d'enfants dans son école. Ça veut dire que l'argent entre. Vise-moi encore l'enfant, là. J'ai la rage de vous, là. Donc, vous allez réussir. Que tu veux, que tu ne veux pas. Ton esprit là va souffrir. Amen. Que ce point ne revienne plus jamais. Erika, nous scellons la porte de sortie, que cette porte ne devienne plus jamais une porte d'entrée. Il y en a, vous êtes faible, vous êtes fatigué de vous battre. Donc, là où on attaque ta faiblesse, c'est quand on t'empêche de rêver. Donc, quand elle parle comme ça, là, tu dis, ah, maman, pardon, il faut que les abîmes la fille, là. Elle parle même de quoi, pardon. J'ai perdu combien d'argent? J'ai perdu, regardez, en 6 mois, j'ai perdu 70 millions. Je veux même plus, pardon, je veux plus, laisse-moi. Voilà la première porte par laquelle il vous attaque. Le découragement. Donc, quand tu m'entends parler comme ça, là, tu dis, ah, est-ce qu'elle a fini? Dis-moi le quatrième signe, c'est quoi, ma chérie? Quatrième.
Je vous relève de toute chute mentale. Toute chute mentale, tout rêve qu'on a volé dans votre esprit. Je viens déposer à nouveau. Le quatrième signe. Le quatrième signe que tu as une grande destinée. Dans ta famille, tu es très jalousé. Tu es comme la bête. Tu es comme la brebis noire. On appelle ça black sheep. Tu es comme le black sheep de ta famille. Donc j'ai dit numéro 1. Numéro 1, c'était quoi? Numéro 2, c'était quoi? Numéro 3, c'était quoi? Il dit que tu rêves, tu te vois toujours avec les stars. Tu parles de toi toujours comme quand tu auras l'argent. Tu te vois toujours avec beaucoup d'argent. Numéro 3, c'était tu es beaucoup attaqué. Beaucoup attaqué. Numéro 4, tu es la bête noire de ta famille. La raison pour laquelle je vous mets toutes ces vidéos, hein, je vois dans les commentaires, il y en a une qui dit que le diable est trop fort, que le diable est... Va écouter bien mes vidéos, ma chérie. Va sur ma page, tu t'assois pendant 2 jours, tu écoutes mes vidéos. 2 jours, tu écoutes mes vidéos. Le diable n'a... Comment faisait ce qu'on kick-up? Le diable n'a kick-up dans ta vie. Tout, c'est toi qui lui as donné. Maintenant, tu vas aller reprendre, tu le remets dans ta poche. Je ne veux pas que vous voyez comme quelqu'un qui est dans un coin comme ça. Là. On t'attaque, tu dis Après, on lance encore l'autre, tu dis aïe. Non. Ça, c'est pas mon enseignement là-bas, ma chérie. That's not me. C'est que tu te lèves, il commence à lancer sur toi, tu attrapes. Tu commences maintenant à lancer sur eux. Tu commences à lancer sur eux maintenant. C'est que, hey, tu dois avancer vers eux. Hey, la fille, elle vient ici là. Hey, je te domine, c'est moi, je tiens ta vie dans ma main. Tu dis, ma vie n'a jamais été dans tes mains. Never. Pardon. Donc j'ai dit tu es comme la bête noire de ta famille. Je viens préciser que nous jeûnons tous les mercredis. Donc on va jeûner demain. 6h, 18h. Donc il y aura des séances de prière. 6h, 18h. Prière à 6h, prière à 12h, prière à 18h. Ok? Tous les mercredis, jeûne. Vendredi, méditation. Et puis il y a le groupe de business. Il y a le groupe de... Il y a beaucoup d'autres groupes là. Ok, voilà. Pour ceux qui veulent lancer le business. Il y a le groupe de business. Donc. Quand tu es la bête noire de ta famille, c'est comme si ta famille avait ton pouvoir depuis longtemps. Ils ont vu. Ils savent ce que tu peux faire. Mais en même temps, ils t'ont exposé. Joseph, très tôt, ses frères et son père connaissaient la destinée de ce jeune homme.
Au lieu de le protéger, qu'est-ce que ces frères ont fait? Même le père, là, tu connais que les hommes, que tes enfants détestent Joseph. Tu l'envoies au champ avec eux, pourquoi? Seul. Tu l'envoies seul au champ avec lui, pourquoi? Tu es la bête de ta famille parce que ils t'ont exposé. Ils ne t'ont jamais protégé. Il y a une dame qui me. Une dame, je consulte une dame hier, elle me dit que elle a un enfant qu'elle a eu. Comment? Elle est au quartier avec ton. Elle vit chez sa mère. Il y a donc un tonton du quartier qui tout le temps est là. Je vais épouser ta fille. Je vais. Sa mère commence à la pousser que va vers lui, va vers lui. Un jour, elle se retrouve avec lui quelque part. En quelque sorte, le monsieur abuse d'elle. 3 mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Finalement, il l'a même pas épousée. Sa mère l'a exposée, sa mère l'a exposée. Vous allez voir que les choses que votre famille aurait dû faire pour vous protéger, ils n'ont pas fait. Les choses, les conseils même qu'ils auraient dû vous donner, le travail spirituel qu'ils auraient dû faire sur vous, ils n'ont pas fait. Vous te retournez comme ça, tu dis que, hey, maman. Maman. C'est même toi qui conseilles ta mère aujourd'hui. Tes frères t'ont traité de sorcier. Maintenant, quand ils voient que tes choses commencent à marcher, ils changent d'avis. Donc, ce n'est plus une sorcière. C'est bon, bon. On commence à trouver maintenant les excuses. Ce n'est plus une sorcière. Mais pendant des années, on te prenait pour la sorcière de la famille. Numéro 5. Signe. Tu fais beaucoup de rêves. Où tu des rêves prémonitoires, tu entends, parfois il y en a même pour lire l'aura des gens, donc tes dons spirituels sont très développés. Peut-être quand tu étais petit, tu avais eu l'apparition de la Vierge Marie, Jésus était venu dans ta chambre quand tu étais petit. Il y en a parmi vous, vous pouvez parler aux morts, vous savez, quand vous arrivez à un enterrement comme ça, là, vous pouvez voir la personne qui est morte, elle est là, elle est quelque part là, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est l'un des signes. Laissez-moi les cœurs. Mettez les pouces comme ça si vous êtes dans la vidéo. Ça va faire que la vidéo remonte. Vous avez ce... Quand vous rêvez quelque chose de quelqu'un, ça va se réaliser. Vous pouvez sentir très rapidement si quelqu'un est vrai ou pas. Quand tu donnes une parole à quelqu'un, tu dis à quelqu'un que ça là va se passer dans ta vie, ça se passe. Je sais que jusqu'à présent tu as négligé ce don là mais je te dis que c'est un des signes, que tu as une grande destinée. Et ce don-là, tu l'as déjà utilisé avec les gens depuis. Tu aides les gens avec ça depuis longtemps. Tu aides, tu assistes les gens. Donc si tu écoutes ceci, et que tu as au moins 3 ou 4 de ces signes-là qui correspondent, tu dois absolument participer à l'école de spiritualité qu'on va faire en début août. Arrêtez pour tout que je ne suis pas prête. Je ne connais pas si j'ai gna. Quand tu pars à l'école pour devenir infirmière, est-ce que tu connais quelque chose dedans? Mais tu es sûr que tu vas apprendre, non? N'est-ce pas? Quand tu pars à l'école pour devenir docteur, est-ce que la première année, tu connais quelque chose? Tu connais tenir le scalpel? Tu connais tenir le stéthoscope? Tu ne connais pas. Donc, vous devez participer à la formation de spiritualité, l'école de spiritualité qui va commencer le 1er août. Donc, on aura cours une fois la semaine. Ça va s'étendre sur 6 semaines.
J'aurais beaucoup de je vais vous donner beaucoup de documents à lire, à écouter. Pour ceux qui ne sont pas au pays pour la formation, vous payez à distance. Il y a PayPal, il y a Ria, il y a Western Union, il y a Orange Money. Quand toi tu fais comment pour envoyer l'argent au pays? C'est la même façon en fait. Il est temps pour toi, je fais que vous dire ça depuis, il est temps pour toi que tu arrêtes de rester derrière la caméra. Tu regardes seulement, tu derrière le téléphone, tu regardes seulement, tu as peur. Les choisis sont en train de sortir de leur cachette. Ils sont en train de s'activer entre eux. On est dans une nouvelle ère. Être spirituel et riche, ça va devenir commun. Tu vas voir quelqu'un va te dire que je suis un gourou de tel endroit. Voilà mon jet privé. Voilà mon jet privé là-bas. Donc, il y a ça. Ça commence avec l'ouverture de vos dons. Vous devez ouvrir vos dons et apprendre à les manipuler. Vous avez des pouvoirs en vous que vous devez apprendre à manipuler. C'est comme Clark Kent, non, Superman. Quand il a découvert qu'il avait des pouvoirs, il y a une période où il reste, chaque jour, il se lève, il part, il prend la voiture, il soulève, il prend les meubles, il soulève, voilà. Parce qu'il fallait qu'il s'entraîne. Il fallait qu'il s'entraîne. Il y a certaines questions là-bas qui sont un peu bêtes que je ne vais pas répondre. C'est pour ça que vous voyez, je vous ignore. OK? Allez écouter beaucoup de mes vidéos d'abord. Il y en a que vous êtes nouveau sur ma page. Écoutez, il y a la base que vous allez comprendre déjà. J'appelle ça les basics. Vous allez comprendre les basics. Donc je vais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée.